Mais t'as dit quoi, non? Tu pouvais pas écrire les amours, pourquoi? Parce que je fais Ramadan. Tu fais Ramadan. Mm-hmm. Puis bah, le début, depuis le 4 mars. Ça va? Fais un tour sur toi. PNJ là. Un tiers de PNJ, c'est grave. C'est donc ça l'islamo-gauchisme? Non, ça c'est l'islamophobie. Moi, tu vois, je suis un joueur de League of Legends. Et j'aime bien jouer off-méta, tu vois. Là, en ce moment, les musulmans, ils ont pris assez cher dans la méta, tu vois. Donc je me dis, bah, c'est peut-être le moment. Tu vois, c'est un peu exotique maintenant. Tu vois, c'est, tu t'attends pas. Ah, tu vas te convertir, tu vas rentrer dans la minorité opprimée du pays. Bah ouais, mon gars. Tu fais quoi demain à 13h? Bah, j'en prie. Vers la Mecque. Et où? Ah, ton priorité. Ah oui, demain, vendredi, bah, à mosquée, à la Skémo. À la Skémo. Avec la Roumba, avec les collègues. Et t'as lu le Coran? Ah, pas besoin. Ah. Moi, je suis comme Badmul, j'ai le Coran intuitif. Ah ouais? Oui, tu lis pas les livres, toi? Bah, c'est Dieu. Et alors? Eh ben, je suis quoi? Je suis une créature de Dieu, donc c'est bon. Et donc tu sais? Bah non, mais je réfléchis, je laisse m'inspirer. Bah écoute, apparemment on doit accepter tout le monde, hein, donc tout le monde apparemment, bah il y a l'étard dedans. Donc tant qu'à faire, moi je vais me faire gaffe qu'il le fasse sérieusement. Tu veux devenir musulman? Qu'à cela tienne, je vais le surveiller le petit. Et pourquoi je t'ai vu manger aujourd'hui? Alors, pas du tout, vraiment. J'ai pas encore mangé aujourd'hui. Preuve en est. T'as pas encore mangé? Que regarde, comme je fais Ramadan, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit couscous. Dieu sait que ça lui ferait du bien, un petit Ramadan. Hmm, mais ça, c'est un couscous express. Alors, c'est quoi le principe du couscous express? C'est, en gros, c'est quand t'as la flemme et que tu veux faire ça en vite fait, tu vois. En gros, c'est quoi? C'est tu prends des merguez dans une poêle, tu mets des merguez, tu fais tes merguez dans la poêle. Ensuite, tu mets un bouillon de légumes et tu mets tes légumes. Et dans c'est parti. Dans la poêle? Tout dans la poêle. Avec les merguez? Non. Attends. Et ça ne change pas trop le goût. Ça change pas trop le goût du merguez. C'est express. Mais c'est non, mais... express. Mon couscous, bah, il est super bon, mon couscous. Il est incroyable. Enfin, je le maîtrise de fou, t'inquiète. Il est bon, ton couscous? Alors, celui-là, c'est celui de mon daron, c'est pas le mien. Ah, mais toi... Ah, d'accord, toi, t'en fais? Moi, je peux pas parler. Moi, je veux... Moi, je veux que là, pendant le Ramadan... On est d'accord. Tu me fasses un couscous. Le couscous express. Je veux. Eh, hey, t'achètes des merguez, tu les achètes toutes. C'est merguez à la là. Régalage. Et par contre, je mets des dates. Mais ça, je crois, c'est un peu. Tu mets des dates dans ton couscous? Des raisins secs? Tu mets des dates dans le couscous? Non, je mets des dates dans le couscous. Mais pour, tu mets genre le couscous à la fin, tu mélanges avec les dates? Non, je mets des dates dans la cuisson. 10 minutes avant la fin. Mais. C'est des raisins secs, pas des dates. Mais non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est, tu t'en s'en branle, mais c'est comme tu veux. Les dates. Et de toute façon, moi, les dates dans le couscous, j'ai regardé, il y a des pays où ça se fait. Oui. Mmh. La France. Le couscous de l'étard. Et donc, aujourd'hui, je fais un couscous express pour Zawa Prod. Donc, on a des navets, des carottes, des courgettes, du bouillon de légumes, des épices, donc du ras al hanout et un mélange pour couscous. Donc, voilà. Donc, avec évidemment poivron rouge, cumin, d'autres trucs évidemment, merguez et semoule avec, vous verrez, des dates. Donc ça, c'est pas conventionnel évidemment. Couscous express, donc l'objectif évidemment, c'est que ce soit rapide, efficace, bam bam, on y va. Alors évidemment, les merguez, ce qu'on va faire bien sûr, c'est qu'on va les retourner, hein, les déplacer un petit peu pour qu'elles cuisent de façon un peu uniforme. Tout le jus ici, on va le garder, on va les transvaser du coup dans ce wok, on va bien récupérer les jus de cuisson. Et donc, en fait, on va utiliser ça comme base d'huile pour cuire nos épices. On va rajouter l'eau, les légumes, et ça va rajouter énormément de saveur, tout simplement, au couscous. Donc là, on a à nouveau mouillé à hauteur. Donc là, je vais rajouter le bouillon, les épices. Voilà, on peut en mettre une quantité raisonnable. Hein. Voilà, on n'en met pas forcément. On n'est pas obligé d'en mettre énormément. Hein. On peut y retourner, voilà. De toute façon, c'est au pifomètre. On est, évidemment, sur le couscous express. Ah, mais c'est que ça a l'air presque bon.
Ça va. C'est pas que. T'as vraiment fait ta recette? Tu peux sentir? Vas-y, sens. Ah oui, mais c'est chaud ou pas? Ah ouais, ça va. Ils sont jolis. J'ai pas assez épicé, je pense. Et t'as l'air moins catastrophique. Bon, c'est pas le bouillon officiel du Maghreb. Non, c'est express. Faut quand même savoir que l'État a dit qu'il n'arrivait pas à trouver de la viande halal. Tu sais qu'on en France, en 2024. J'ai trouvé du poulet halal. C'était l'argument le plus éclaté. On va couscousser. On va couscousser. Le réchauffage du couscous express. C'est que, waouh, le gras du couscous qu'il y a. Ça va bien se passer. Là, on va le réchauffer comme ça. Hop. Combien de temps? Bon, 2 minutes 30. C'est express, 2 minutes 30. Elle est très liquide, la sauce. Ouais, c'est pas un bouillon. Franchement, ça. C'est moins pire que ce que je pensais. Mais... Alors, je peux te dire un truc? Je l'ai goûté ce midi. Donc, il est comestible. T'en es fier ou pas? Non, pas du tout. Ah. Franchement, il est déjà en train d'essayer de chercher des excuses. Non, franchement. Tu l'as goûté ce midi? Tu sais pas le faire. Que là, tu vas avoir tous les commandes. C'est une assiette, hein, pas besoin d'en servir 12. Hein. On va tous goûter dans la même assiette. Hein. Je mange pas une assiette entière de cette merde là. Gros, c'est de la flotte. Waouh. Waouh, t'as ce monde, mais ça, elle a l'air immense. Oh là là. Oh là. C'est ça? C'est froid. C'est froid. Ah, c'est froid. C'est froid. Il y a que les trucs pas bons au couscous, c'est très peu de merguez. C'est pas le couscous. Gros, il y a quasiment un kilo de merguez. Couscous, frère. Attends, on va goûter. Mais c'est l'étard, ça n'a pas goût de couscous. T'as mis beaucoup de piment, non? C'est vrai que j'ai pas goûté la merguez. La merguez, elles sont bonnes. C'est le seul truc bon du couscous. La merguez est bonne. Ça va. Mais ça n'a pas goût de couscous. C'est un couscous express, ça n'a pas le goût du couscous, ça a le goût du couscous express. Pas, bah le bouillon, c'est pas du couscous, quoi. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la différence? Bah le goût. T'as vu un couscous, toi? Qu'est-ce que je pense de son couscous? Déjà, faudrait que je mange son couscous. Moi, ce que j'ai vu, c'était de la merde. Ok? Bon, c'est Ramadan, je vais rien dire parce qu'il faut qu'on mange, mais voilà quoi. Mais bon, t'es content quand même? C'est un bon retour? Ah, j'avais faim, ça fait 12 heures que j'ai pas mangé depuis ce matin, après ma prière. Non, bien sûr. Avant ta prière? Avant ma prière. Moi j'ai l'islam instinctif aussi. Je sens. Par exemple, le moment où il faut prier, je le sens. Je sens où est la Mecque. Où est la Kaaba, évidemment. J'arrive à identifier, voilà. C'est... Donc, regarde, c'est ça. Tu prends une fois la main d'abord. Main. Deux fois, trois fois. Il y a une façon de se laver les mains? Ou tu te laves les mains? Oui, non, en fait, faut frotter quoi. Oh, mais tu peux faire ensuite... les doigts et tout comme ça là? Oui, tu te frottes quoi, normalement okay, tu te laves les mains. Tu te laves ensuite, les mains. C'est avec la. Ah, j'ai l'impression d'être à la piscine. Maintenant, il y a quoi? Il y a quoi, je t'ai dit? Je réfléchis, attends. Les pieds? Attends, le crâne. Non, voilà. C'est pas là pour te coiffer, hein. Déjà la fatira c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm al-Din. C'est le truc mais c'est le grand titre. Bah normalement c'est chanté Ah oui, c'est chanté. Bah oui. Ah oui, Il y a un moment je vais le taper hein. Ouais. Allahu Akbar. Top, hein. Faudrait que j'apprenne les chulis. Chulis, c'est quelque chose, quoi, c'est... Viens là, mon frère, viens là. C'est bien. L'étard, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah, je vais manger, c'est quoi cette histoire là? Mais attends, t'as vu l'heure que c'est? Bah, midi. Non, mais attends, mais tu te fous de la gueule de qui là? Mais je déjeune! T'as quelle heure normalement qu'on mange? Bah, l'heure du déjeuner.
Attends. Viens, faut qu'on te parle, viens. Okay, je jeûne. Ouais. Non mais attends, je jeûne. Ouais. Et là, je déjeune. Vas-y, viens. Allez, viens, on va te... On revient. Faut qu'on t'explique. Voilà. Il y a des trucs que t'as pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle ? Écoute-moi bien. Te prends pas la tête. Tout ce que je peux te dire, c'est que... Létard, il a été frappé par l'amour de Dieu.